Thank you. Est chez Disney, on va faire un truc Star Wars. Euh, mais en fait, c'est juste un prétexte. Hein. Euh, autre chose, j'ai des images en background. Des fois, il y a un lien, des fois, il euh, n'y en a pas. Souvent, il y a un lien, on va dire. Des fois, c'est juste que j'ai trouvé l'image marrante. Euh, si vous n'avez pas le truc, vous pouvez venir me demander, après, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis cette image. Mais il y a des fois, c'est vraiment juste parce qu'elle est fun. S'il y a des gens qui ont déjà suivi des talks faits par moi, j'ai un fonctionnement un peu particulier. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je donnais des talks que euh, les gens, quand il y avait des bullet points, ils ne m'écoutaient pas, ils lisaient. Et moi, je suis une maman, c'est insupportable qu'on ne m'écoute pas quand je parle. Donc, solution, j'ai viré tous les bullet points. Donc, il ne va pas y en avoir beaucoup dans ces, dans ces slides. Mais je sais que pour certaines raisons, mon accent est pourri, il euh, euh, y a un problème de trouble de l'attention, il y a euh, un défi, euh, un, un problème de d'audition, etc. Pour des raisons X ou Y, on n'a pas bien dormi, on a bu un peu trop la veille, bref, parfois on a besoin des bullet points pour suivre. Dans ce cas-là, allez là. Donc ces slides sont les slides avec bullet points. Je fais toujours deux slide-deck. Celui que je présente sans bullet points et celui-ci avec bullet points. Alors vous verrez moins les belles images derrière qui sont drôles, mais vous aurez des bullet points. Et je vais commencer rapidement par me présenter. Donc, je m'appelle Laetitia Avro, donc vous, ça ne vous pose pas problème, mais aux États-Unis, ils sont incapables de le dire. Euh, et je pense que mes parents ont fait ça euh, à dessein. <laughs> je suis trésorière de PostgreSQL Europe. D'ailleurs, si vous avez du temps, en décembre, on a une super conférence à Prague, euh, entre le 12 et le 15 décembre. Viendez les gens. Et je suis aussi fondatrice de PostgreSQL Women. Le but de cette organisation, c'est simplement de prendre un max de femmes et de les faire venir aux conférences, et une fois qu'elles sont là, de les mettre sur scène. C'est un, euh, un plan diabolique en deux étapes. Et euh, je suis Field CTO. Alors, Field CTO, ça veut dire que, euh, vous savez, dans le métier de CTO, il y a deux volets. Il y a la partie fun, la tech, et la partie reporting, dashboard, euh, PowerPoint. Moi, je ne fais que la partie fun. C'est ça, Field CTO. Donc, c'est le meilleur boulot du monde. Et si j'étais vous, moi aussi, je serais jaloux. Euh... <laughs> J'ai un blog sur lequel j'essaye de répondre aux questions. Donc il y a pas mal de gens qui m'envoient des mails avec des questions techniques. J'essaye de euh, répondre euh, à ces questions parce que je me dis que s'il y a une personne qui a une question, il y a des chances que d'autres aient la même. Euh, et du coup, je publie la réponse euh, sur mon blog. Et puis aussi, euh, je donne pas mal de conférences, donc il y a ma page de tournée avec toutes mes dates. Mais surtout, vous aurez accès sur cette page aux slides. Les slides annotés, noter, pas les slides sans bullet points, et aux vidéos quand il y a une captation vidéo. Et je suis aussi responsable de ce petit site, PSQL Tips, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui utilisaient des outils euh, graphiques pour faire des requêtes. Et alors, déjà, le seul outil, euh, le seul client officiel de PostgreSQL, c'est PSQL, qui est un, un client euh, ligne de commande. mais On est tellement plus efficace en ligne de commande, il faut juste les connaître. Euh, donc, j'ai créé ce petit site web. Pour l'instant, j'ai 150 tips euh, autour de PSQL. L'objectif, c'est d'arriver entre 200 et 300. Euh, mais il faut aussi du temps pour le faire. Et euh, donc, n'hésitez pas à y aller. Ça, vous va, ça va juste vous présenter une tips euh, à chaque fois que vous allez rafraîchir la page. Et je suis aussi assez fière parce que euh, je milite pour que les sites web. Quand il n'y a pas besoin, on n'utilise pas de base de données, soit simplement du HTML, CSS et éventuellement une ou deux fonctions de JavaScript. C'est exactement ce que fait PSQL Tips. Alors, de quoi on va parler Alors, typiquement, là, c'est l'image qui n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça fun. Euh, on va parler des index. Donc, euh, je vais commencer. Euh, désolé pour les gens qui savent déjà pour expliquer ce que c'est qu'un index. Euh, je vais parler des différents types d'index et comment les utiliser ou s'assurer qu'ils soient utilisés. Alors, qu'est-ce qu'un index Est-ce que vous avez déjà lu un livre qui n'était pas un roman Je ne dis pas de, de bout en bout, hein, mais par exemple, une recette de cuisine. Il y a, quand on cherche une recette de cuisine, généralement, on ne lit pas le livre en entier pour trouver la recette qu'on cherche. Généralement, on va à la fin où il y a soit un index par ingrédient, soit un index par temps, soit un index avec la liste des recettes dans l'ordre alphabétique, etc. Un index, c'est exactement ça ça va faire une sorte de résumé des données de certaines colonnes euh, pour pouvoir y accéder plus rapidement. Ça veut dire qu'une fois qu'on a été cherché dans l'index, on a la référence donc dans le livre de cuisine c'est le numéro de page et ensuite on va aller chercher les données dans la table. Euh, on est bien d'accord que vu qu'on fait un truc en deux étapes si on a 10 lignes dans la table ça vaut pas le coup d'aller d'aller passer par l'index. Mais aujourd'hui on a des optimiseurs qui savent faire ça. Euh, autre chose, est-ce que vous achèteriez un livre de cuisine avec 10 recettes, donc 10 pages de recettes, mais 500 pages d'index Je ne pense pas. Hein. Ben, C'est la même chose sur vos bases de données. S'il vous plaît, par pitié, arrêtez de créer des index sur toutes les colonnes. Ça ne sert à rien. Ça vous bouffe des performances. Euh, euh, enfin, D'un autre côté, ça me donne du travail aussi. Hein, euh, C'est cool. Mais euh, ça martyrise un peu la base de données. Chaque fois que vous créez un index, en fait, ça va... Potentiellement accélérer les lectures, ce n'est pas sûr, mais ça va aussi ralentir toutes les écritures. Donc pensez-y la prochaine fois que vous vous dites qu'il faudrait mettre un index, pensez non pas à la requête que vous voulez améliorer, mais à la totalité du workload qui passe sur cette table. Parce qu'il euh, est très facile de dégrader les perfs de toutes les autres requêtes pour améliorer une perf. Et ça, c'est dommage. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que quand on crée un index, ce n'est pas gratuit. Euh, on va passer des bases. Euh, ceux qui n'ont pas la ref, là, je peux rien pour eux. Hein. Euh... <laughs> Donc, c'est simple. Pour créer un index, on utilise create index. C'est du standard SQL. Euh, tout ce qui est a de plus simple. On dit le nom de la table et on dit là où les colonnes. Puis après, on a des trucs sur les ordres. Si on veut les nuls avant, après, on en reparlera. Quand on veut supprimer un index, c'est très important, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement fréquent que j'arrive chez des clients et je commence par dropper des index parce qu'ils en ont trop, euh, bah, c'est drop index, tout simplement. Euh, on va regarder en exemple ce que ça donne. Donc euh, là, par exemple, je crée un index, je lui donne un nom. Euh, voilà, ici, là. Je m'amuse à lui donner un nom. En fait, c'est facultatif euh, dans Postgres. Euh, il va générer un nom lui-même si on n'en met pas. Et on lui dit bah, sur quoi on veut qu'il soit. Donc la table et là une colonne, la colonne id. Euh, bah, pour le dropper, voilà. Simplement, on référence l'index avec son nom et il est droppé. Simple. Euh, maintenant, imaginons que j'ai créé cet index. Si je fais cette requête et que l'optimiseur se rend compte qu'il y a suffisamment de lignes pour que ce soit intéressant, il va passer par là, il va passer par l'index, d'où ma petite coche ici. Euh, Rappelez-vous, si l'optimiseur trouve que c'est intéressant, c'est un point important, on en reparlera. Par contre, si je fais ça, un Select étoile sur la table test 1, il ne va pas du tout passer par l'index. Ce n'est pas intéressant parce qu'il n'y a aucun test sur l'ID, on ne récupère pas que l'ID, donc il va aller voir, faire un scan de la table. Euh, si on ne sélectionne que l'ID, mais qu'on utilise une fonction sur l'ID, par exemple ici, je fais un factoriel de l'ID qui doit être égal à 120, je ne connais pas de cas d'usage, on s'amuse à faire un factoriel d'ID, mais pourquoi pas, euh, ça ne sera pas utilisé on ne pourra pas utiliser index parce qu'on utilise une fonction de l'index et une, euh, une fonction de la colonne et non la colonne elle-même. Faut que j'arrête de bouger pour les photos. <laughs> Alors, il y a un truc qui est fun, c'est que euh, donc comme j'ai dit arrêtez de créer des index sur toutes les colonnes, mais si on a deux colonnes, par exemple la colonne A et la colonne B et qu'on a un index sur la colonne A et un index sur la colonne B et qu'on fait une requête comme ça, on met une condition sur A, une condition sur B. Il va faire un scan de l'index A pour trouver toutes les valeurs qui correspondent, un scan de l'index sur, euh, sur la colonne B pour trouver toutes les autres, et il va faire un et logique entre les deux. Donc il a quand même pas de si bête que ça. Par contre, si derrière vous mettez un order by, vous allez vous retrouver avec des performances pourries parce qu'il va devoir tout retrier. C'est dommage. Euh, on peut faire des index sur plusieurs colonnes. C'est vrai que euh, c'est un peu débile d'indexer A, B, C, si, euh, A, B et C sur trois index différents si on peut tout mettre sur un seul index. Donc imaginons ici que j'ai une table avec deux colonnes, enfin plusieurs colonnes, et que j'indexe A et B, donc comme ça, hein, simplement une virgule, pas compliqué. Euh, si je fais cette requête, il va aller utiliser l'index. Parce qu'il utilise A et B, il a les deux valeurs d'un index, ça lui va. Si je lui dis d'aller chercher les valeurs pour la colonne A, il va utiliser l'index aussi. Et par contre, c'est là où c'est siou. Si on lui dit d'aller chercher des valeurs sur B, il ne peut pas utiliser l'index. Parce que la structure de l'index fait qu'il va commencer par chercher les valeurs sur A, puis les valeurs sur B. Donc, si on ne met pas de condition sur A, on ne peut pas utiliser cet index. Ça veut dire que quand on crée des index il faut faire un petit peu attention à, euh, à l'ordre dans lequel on met les colonnes. Et l'ordre dans lequel on met les colonnes, ce n'est pas forcément l'ordre dans lequel on les a créées, c'est l'ordre dans lequel on en a besoin. Et c'est pour ça que souvent chez les clients, moi, je vois un index sur la colonne A et un index sur la colonne A et B. j'ai dis, il y a un index inutile, supprimez-le. C'est toujours ça de gagner. Euh, très fun, les index sur les expressions. Alors je, bon, alors, je suis absolument contre le fait qu'on fasse des lower de, de texte, parce que je considère que les données doivent être euh, euh, normalisées quand on les rentre dans la base de données. Donc, si on a besoin d'un lower, on met tout en lower, ou alors on crée une, une colonne générée pour avoir du lower. Mais malheureusement, c'est un truc qui arrive souvent. On peut indexer le résultat d'une expression. Et quand je dis expression, c'est expression au sens standard SQL du terme. Donc, c'est extrêmement large. Euh, Là, par exemple, j'ai utilisé la fonction lower. Alors, il, y a juste, il faut juste un truc. On ne peut pas indexer un truc, par exemple, un timestamp plus now. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que la, la fonction soit prédictive et qu'elle fournisse toujours le même résultat si elle a les mêmes entrées. Euh, de toute façon, Postgres vous le dira. Il est assez, euh, assez cool pour ça. Il vous dit tout. Euh, et surtout, il ne vous permet pas de faire des trucs interdits. Euh, donc là, par exemple, si j'utilise euh, un lower de a avec ma valeur, il va pouvoir utiliser index. Par contre, si je fais un upper, bah, non. Si je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire si ma colonne, c'est du a, et que je fais un upper de la value, je ne vais pas pouvoir utiliser index, puisque l'index est sur le lower de a, c'est pas sur a. Par contre, ça peut être assez utile quand même d'avoir des, euh, des index sur les expressions. Et bien sûr, si on ne fait euh, rien du tout, euh, on ne pourra pas utiliser l'index, puisque l'index, là encore, est sur lower de A et pas sur A. Il faut vraiment voir l'expression de l'index comme un tout. C'était, avant que Postgres et les colonnes générées, c'était une manière de créer des colonnes générées. On peut faire des index partiels. Qu'est-ce que c'est qu'un index partiel C'est un index avec une clause where. C'est-à-dire qu'on ne va pas indexer la totalité des lignes, mais uniquement celles qui correspondent à la clause where. Un grand classique, c'est where is null. Alors, quand je vois ça dans du code, souvent, ça veut dire que les gens ont donné une signification à la valeur null. Si vous avez vu mon talk sur la, le null et un non en SQL, vous savez que c'est pas bien de faire ça. Le null n'a aucune autre signification que je n'ai pas la valeur. Donc, on peut pas lui dire, euh, par exemple, si on a une table de location de je sais pas quoi et qu'on met un date end avec null. Ça ne veut pas dire que le, le truc est toujours loué, ça veut juste dire qu'on ne sait pas. Et euh, ça, c'est vraiment fondamental, notamment sur ce cas d'usage très, très euh, fréquent, il faut utiliser infinity quand on sait que le truc est encore en cours de location, tout simplement parce qu'on a la valeur plus infinity, moins infinity pour les nombres et pour euh, les timestamps, les dates, etc. dans Postgres. Et ça permet de faire des, euh, des comparaisons faciles avec des dates. Mais bref, admettons qu'on ait besoin d'une closeware. Eh ben, on peut indexer une partie, de index seul, euh, une partie de la table seulement. Et ça, c'est assez pratique. Mais là encore, rappelez-vous que ça va vous permettre d'améliorer énormément les, requêtes, les performances d'une requête. Pensez à toutes les autres. Donc là, typiquement, on va pouvoir utiliser cette, euh, cet index sur cette requête. Et pas là, puisque de toute façon, ces lignes-là ne sont pas dans l'index. Je pense que c'est assez simple. Alors, les index couvrants. Alors, un, euh... Donc, en SQL, euh, on s'est dit, on va mettre des index, c'est cool, on va pouvoir mettre plusieurs colonnes. Mais qu'est-ce qui se passe si on a une requête euh, où on veut avoir les données de A et de B, mais on ne veut pas indexer les données de B On va faire ce qu'on appelle un index couvrant, et c'est le mot-clé include qui permet. C'est-à-dire que dans l'index, on va stocker les données de A et de B. Mais euh, qu'on ne va pas indexer B, c'est-à-dire que ce ne sera pas trié, ce sera pas, etc. C'est juste qu'on sait que pour la valeur A, on aura ces valeurs-là de B. Donc quand je fais ça, select A, B, avec ma valeur de A, ici dans la clause where, on va pouvoir utiliser index. Et on n'aura pas besoin de les faire référence aux données de la table ensuite. Euh, un truc fondamental quand vous faites des requêtes SQL, évitez le select étoile. Déjà parce que si vous changez le modèle, ça veut dire que vous aurez un nombre de colonnes non déterminé. Mais aussi, surtout, parce que justement, ne rapporter que les colonnes dont vous avez besoin, ça vous permet d'utiliser des index comme ça. Euh, et bien sûr, si cette fois-ci, par contre, je lui dis, oui, mais je veux aussi que la valeur de B soit 6, il ne va pas pouvoir utiliser un index. Parce que c'est un index couvrant, ce n'est pas un index multicolonne. Si vous voulez faire ça, il faudra faire un index sur A et B. Donc, tout ça, c'était les bases. Les index ont un intérêt uniquement quand on les utilise avec des opérateurs de comparaison. Alors, vous connaissez certainement cela opérateur opérateurs d'égalité, d'inégalité et d'inégalité-égalité. Cela, facile, généralement, on comprend ce qu'ils font. Alors, le like, vous le connaissez certainement. Il e like, je pense que vous ne le connaissez pas. E-like, c'est un like non caisse sensitive. C'est génial, en fait. Euh, mais moi, je vais plus loin. j'utilise plus ni like ni like. J'utilise tilde et tilde étoile. Alors, tilde, euh, c'est une recherche de pattern en, régu... en expression régulière. Et tilde étoile, c'est la même chose, mais en caisse insensitive. Et puis, on a aussi similar to, qui est du standard SQL, qui permet de faire de la recherche de pattern. Donc. Euh... Vous vous doutez que euh, si je vous parle des opérateurs, c'est que suivant les index, on ne va pas pouvoir faire les mêmes opérations avec. Un index euh, qui permet de faire du égal ne va pas forcément permettre de faire du like. Après, on a des opérateurs logiques, le est logique, le ou logique, ça facile. Après, on a mes petits préférés, c'est les opérateurs pipiou je les appelle comme ça parce qu'on dirait des oiseaux. Euh, donc ça c'est des opérateurs spécifiques à Postgres qui n'existent pas dans le standard SQL, ils permettent de vérifier l'appartenance. Est-ce que euh, ce nombre est dans mon tableau? Est-ce que euh, ce point est dans mon polygone? Ce genre de choses. Et puis après, vu qu'on est complètement fou dans Postgres, on a rajouté tout cela. <laughs> Alors cela, c'est euh, par exemple pour savoir si euh, on a deux branches qui s'overlap ou euh, si on a euh, un polygone qui est à gauche d'un autre, ou au-dessus, ou en dessous, ou à droite, ou est-ce qu'ils sont l'un sur l'autre, etc. Euh, bref, il y a beaucoup d'opérateurs dans Postgres. D'ailleurs, euh, la doc euh, est, euh, je ne sais pas combien de pages j'ai fait sur cette partie, sur les opérateurs, mais elle est euh, bien costaude. Euh, mais n'hésitez pas à aller voir la doc justement sur toute la partie euh, type de données. Pour chaque type de données, on spécifie les différents opérateurs est ce qu'on peut faire avec. Mais on peut faire des trucs de folie. Euh, on peut faire de est-ce que euh, j'ai deux ranges qui s'overlap, est-ce que j'ai deux ranges qui sont l'une dans l'autre, euh, etc. Alors, les types d'index. Vous connaissez certainement le bitri, c'est l'index par défaut. B3 qui ne veut pas dire balance tree ou binary tree, B3 qui ne veut rien dire euh, parce que ça a été défini comme ça, euh, c'est l'index par défaut qui permet de faire des opérations de comparaison classiques, donc avec les opérateurs euh, euh, égal, euh, supérieur, inférieur ou supérieur ou inférieur ou égal. Euh, on, a un euh, on a un type d'index de type H qui permet d'aller extrêmement vite sur tout ce qui est opération d'égalité. Euh, donc, toujours bon à savoir. En fait, il vous suffit pour ça de changer le type d'index. Et notamment, si vous faites souvent des opérations d'égalité sur un ID, par exemple, et que cet ID est primary key, euh, Postgres, par défaut, va créer un index pour euh, euh, créer cette contrainte de clé primaire. Supprimer, enfin, vous ne pouvez pas supprimer l'index. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer la primary key créer un index de type H si vous faites vraiment que des égalités. Et ensuite, vous pouvez recréer la, la primary key en lui disant d'utiliser cet index. Pour pouvoir, euh... Alors, il faut que ce soit un index unique, bien sûr, puisque c'est une clé primaire. Mais euh, euh, n'hésitez pas à utiliser ça sur les, sur les tables un petit peu importantes, ça peut être sympa. Après, si ça devient encore trop, euh, on parle de partitionnement, etc. Après, on a les index de type brain. Alors, les index de type brain, c'est pour block range indexes. Euh, comme souvent dans Postgres l'acronyme a été trouvé a posteriori euh, ça va stocker un résumé des données qui sont euh, consécutives sur le disque c'est à dire si j'ai un ID encore généralement c'est généré automatiquement et donc on les insère dans l'ordre généralement du coup au niveau du stockage on va avoir une corrélation assez forte entre l'ordre des ID et l'ordre dans lequel c'est stocké euh, physiquement dans ce cas là un index de type brain va être super parce que brain, en fait, il fait un résumé. C'est-à-dire qu'il dit entre tel bloc et tel bloc, j'ai des de numéro machin à numéro bidule. Du coup, c'est des index qui sont extrêmement petits. Par contre, ça ne peut pas gérer l'égalité. Ça ne va gérer que les opérateurs supérieurs, inférieurs. Et puis ensuite, on a l'index de type gene, développé par des Russes, évidemment. C'est un index inverted. Pour les types de données non atomiques. Alors, euh, si vous avez été à l'école, vous avez appris les euh, formes normales. Première forme normale, toute donnée doit être atomique. Euh, C'est compliqué parce que est-ce qu'une chaîne de caractères est atomique étant donné qu'elle est formée de caractères Est-ce qu'un caractère est atomique étant donné qu'il est, est, qu est, qu est codé sous, des sous forme de bits euh, ça devient beaucoup plus complexe que ça, mais euh, quand on dit non atomique généralement en SQL, on veut dire euh, du JSON, on veut dire des tableaux, on veut dire euh, ce genre de choses, du XML si on est resté coincé il y a 20 ans. Euh, mais euh, voilà. Euh, et donc ça permet d'indexer ce genre de valeurs. Donc on va pouvoir chercher si une valeur est dans un tableau, ce qui peut être assez pratique. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter à quatre types d'index. Ce serait trop facile. Euh, du coup, on a créé le GIST. Euh, alors, en fait, GIST, ce n'est pas un type d'index, c'est une stratégie euh, d'indexation. Et c'est utile pour tout ce qui est géométrie en 2D. Euh, et du coup, on va avoir les, mes fameux opérateurs QPU, que j'aime bien. Euh, on va avoir euh, le et, et ». là, en fait, c'est plus de la euh, c'est plus pour vérifier l'overlap. Après, on a tous les opérateurs bizarres, là, pour voir si c'est à gauche, à droite, machin, chose. Euh, et, et puis, cela aussi, en fait. Donc, ça, c'est le GIST. Euh, si vous en avez besoin, vous le savez, généralement. <laughs> Et euh, vu que c'était pas assez, parce qu'on a aussi dans Postgres, on a aussi tout un type de données géographiques euh, qui vont bien plus loin que ce que les, que les types de données euh, standards de Postgres, on a rajouté SPGIST. Alors SPGIST c'est un GIST. Euh, Jusqu'alors tous les index dont je vous ai parlé sont équilibrés, c'est-à-dire que euh, on a quand on, on a une sorte d'arbre et de chaque côté on a autant de valeurs. En géographie, ce n'est pas utile. Si vous cherchez tous les pubs qui sont au milieu de la toundra et tous les pubs qui sont à New York, ça ne va pas être équilibré. Euh, C'est pour ça qu'on a créé le, le type d'index SPGIST, ça permet de gérer des données non balancées, non équilibrées. Et puis bah, le GIN qui est toujours là, mm -hmm. qui permet de faire euh, du pew et puis euh, euh, de l'overlap. Et puis comme ce n'était pas assez, je ne sais pas si vous savez, PostgreSQL est extensible. Euh, donc PostgreSQL est extensible depuis 1986, c'est-à-dire depuis avant qu'il ait été écrit, euh, puisque c'est dans la note de design qui a été écrite par Michael Sobracker en 1986, c'est le point numéro 2. C'est-à-dire PostgreSQL doit être extensible. Euh, alors, pour la petite histoire, créer une extension pour PostgreSQL, pour Postgres, c'est extrêmement simple. Euh, N'importe qui peut le faire, vous pouvez utiliser le langage de votre choix, puisque... Il y a des extensions pour utiliser tous les langages. Il doit même y avoir un truc pour écrire du Lisp, si vous êtes fan de Lisp. Euh, mais euh, n'importe quel langage est utilisable dans Postgres. Et euh, créer une extension, c'est juste une collection de fonctions, de data types euh, qu'on peut rajouter à Postgres. Euh, et comme j'ai dit, n'importe qui peut le faire. D'ailleurs, j'ai fait une extension qui vous donne la meilleure recette des gaufres de The Food Network, euh, parce que pourquoi pas. Euh, il y a aussi une extension qui va, vous de, qui va jouer aux échecs, il y a, mais il y a des extensions un peu plus utiles des fois aussi. Euh, bref, en parlant d'extensions utiles, on a des index Bloom. Euh, donc les, les index Bloom, c'est des structures qui prennent peu d'espace euh, et qui permettent de tester si un élément appartient à un ensemble. C'est pour les types de données composites. Euh, mais. Nos chercheurs russes, dont je vous ai parlé, là, qui ont fait les index jeans, ils ne sont pas arrêtés au jeans. Ils ont fait la vodka. Donc, on a un index de type vodka. Et ils ont fait RUN. <laughs> Alors, euh, c'est des, euh, des améliorations du jean. Mais euh, je ne vous conseille pas de les utiliser en production parce que ça doit faire dix ans que ces, index, ces, ces structures d'index n'ont pas évolué. Euh, et pour moi, ils ne sont pas production ready aujourd'hui. Après, s'il y a suffisamment d'intérêt par une société pour faire revivre ses projets, euh, il y a moyen. Euh, comme j'ai dit, enfin, Postgres, c'est open source, du vrai open source, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, quand il le veut, quand il le peut. Euh, mais s'il y a une société qui est prête à payer pour faire des choses, il y a moyen de s'arranger. Et le dernier type d'index, celui-là, je l'adore. Hierarchical Navigable, navigable Small Worlds. Alors, ce n'est pas parce qu'on a Disney que ça s'appelle Small Worlds. HSNW, euh, pour les gens qui connaissent. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un truc qui fait le buzz en ce moment, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Euh, C'est-à-dire que sous ce mot, on met n'importe quoi, y compris des requêtes SQL qu'on sait faire depuis 1970. Mais euh, pour ce qui est de HSNW, ça permet de faire des recherches de proximité. Avec des statistiques. Euh, et justement, ça permet de dire, euh, bah, de faire de l'IA générative en disant bah, la probabilité qu'après ce mot, je mette ce mot et de temps, donc je mets ce mot. Euh, mais ça demande des index spécifiques parce qu'on ne cherche pas exactement la même chose on cherche quelque chose qui est adjacent. Et euh, c'est ce que permettent les index de type HSNW qui sont inclus dans euh, l'extension PG Vecteur. Si vous n'avez pas joué avec PG Vector, allez-y, c'est rigolo. Euh, et essayez de résoudre le Chihuahua Challenge pour permettre à Postgres de savoir si c'est une photo de Chihuahua ou une photo de Muffin. Parce que des fois, ce n'est pas facile. Alors, les types d'index. Euh, par défaut, je vous ai dit, c'est du bit Mais on peut lui dire ben non, en fait, je ne veux pas du bit je veux utiliser une autre méthode d'indexation. Donc voilà la syntaxe. Et encore c'est du SQL, ce n'est pas compliqué. Euh, enfin, ce n'est pas compliqué. À l'origine, on va dire. Donc là, c'est une requête simple. Euh, je me doute que quand on a des requêtes de trois pages, c'est plus compliqué. Mais euh, sur du, de la création d'index, ce n'est pas compliqué. Donc là, par exemple, j'ai créé un index qui va faire, euh, qui va indexer les points euh, en utilisant la méthode GIST. Et là, j'utilise un autre index qui va utiliser la méthode GIN. Voilà, c'est pas compliqué, il euh, a rien de. C'est juste qu'il faut savoir que ça existe. Alors, je vous ai parlé des opérateurs. Il y a un autre truc qu'on appelle les classes d'opérateurs. Ah, c'est un niveau au-dessus. Euh, je vous ai dit que les likes, c'était difficile à indexer en bitrie En fait, c'est possible en utilisant une autre classe d'opérateurs. Parce que par défaut, le bitree va utiliser la classe opérateur d'égalité. Mais si on a du texte, l'égalité, c'est rarement ce qu'on recherche. C'est plutôt du like qu'on va faire, ou du tilde, si vous êtes comme moi. Euh, et euh, dans ce cas, on va lui donner une classe opérateur ici. Et cette classe opérateur, ça s'appelle text pattern -ops, ou varchar pattern -ops, juste fun fact, si vous utilisez des varchar dans Postgres, c'est juste un alias pour dire texte. Et si vous mettez un nombre de caractères maximum, ça va rajouter une contrainte, pour, une contrainte de type check pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la, le nombre de caractères. Et pour des raisons de perf, je vous conseille de ne pas mettre de contraintes de caractères et de tout mettre en texte. Euh, on peut aussi s'amuser avec BP-char-pattern-ops si on a des, des bitstrings à stocker dans Postgres et qu'on veut s'amuser à les récupérer rapidement. Euh, je ne suis pas fan de l'idée d'avoir des bitstreams dans Postgres, mais bon, il y a peut-être des cas d'usage. Et ça permet de faire des regular expressions. Alors oui, je sais, quand on peut résoudre un problème avec une regular expression, on a deux problèmes, mais c'est quand même vachement efficace. Euh, si ça vous intéresse, j'ai résolu euh, pas mal de challenges Advent of code en SQL. J'ai énormément utilisé les regular expressions pour parser, etc. C'est vraiment super puissant et euh, euh, Postgres le permet en natif. Donc, vous ne vous gênez pas d'utiliser du, des regular expressions, c'est assez efficace. Même s'il faut l'écrire. Euh, les tris. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait un truc avec les tris et les index. Euh, en fait, euh, un index va permettre de trier plus facilement les choses. Et donc, vous allez pouvoir lui dire si vous voulez que ce soit dans l'ordre ascendant ou descendant tout simplement et puis euh, juste un truc important le tri va dépendre de la collation et petit truc rigolo si vous faites un upgrade de votre os euh, il est possible que la collation par défaut soit plus la même au niveau de l'os et que donc vous vous retrouvez avec des index corrompus faites attention <laughs> c'est pas notre faute c'est l'os et puis vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez faire des valeurs nulles. Vous les voulez en premier ou en dernier Ça dépend des requêtes, ça dépend ce que vous voulez en faire. Donc c'est exactement ça. Et en plus, alors ça je suis totalement contre, euh, mais ça existe dans le standard, donc on l'a rajouté dans Postgres. On peut dire si les nuls sont distincts ou pas. C'est-à-dire qu'on peut décider que sur une colonne, on va avoir une seule valeur de type nul. Et enfin, c'est pas type, c'est pas un data type, mais euh, on va avoir une seule valeur nulle dans cette colonne. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on a donné une signification à null. Vous savez que j'aime pas. Donc, euh, euh, bad design, mais euh, implémenté quand même. Alors, maintenant, euh, bah, l'optimiseur de Postgres se base sur des statistiques. Pour avoir ces statistiques, bah, il faut les récupérer. Et donc, il va faire euh, des approximations sur le nombre de lignes. Et par défaut, il va regarder les 100 premières valeurs, les 100 valeurs les plus fréquentes. Et il va stocker ces valeurs avec leur fréquence. Et du coup, après, il peut faire des calculs de statistiques et décider que, bah, du coup, je devrais avoir 500 lignes de réponse dans cette requête, etc. Ça veut dire que des fois. Si on est un petit peu, c'est pas mal de, si on fait des gros changements, c'est pas mal de récupérer à nouveau les statistiques. Pour ça, il y a un mot-clé qui s'appelle Analyze. C'est une commande à lancer. Il y a un autre truc dans Postgres, c'est l'autovacuum. Alors, ce n'est pas du tout le sujet du talk, mais ne désactivez jamais l'autovacuum. Sinon, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Euh, l'autovacuum va récupérer automatiquement les statistiques euh, et en même temps, il va aussi marquer toutes les... Toutes les lignes vides pour pouvoir réutiliser les espaces. Je vous ai dit que par défaut, on prenait les 100 valeurs les plus fréquentes. On peut changer ce paramètre ça s'appelle Default Statistics Target. Vous pouvez le changer par table, par colonne, ou pour l'ensemble du cluster, ou pour une base de données, ou pour un user du coup, ça le changera pour les tables dont le user est owner. Euh, comment on utilise un index Je vous ai dit que ça dépendait des statistiques. Dans Postgres, on ne peut pas forcer l'utilisation d'un index. Donc si vous voulez absolument l'utiliser, ben, tant pis. Pourquoi Parce que si Postgres devrait utiliser l'index, que les statistiques sont à jour et qu'il ne le fait pas, c'est que c'est un bug. Et si on met une solution de contournement, les gens ne vont pas nous remonter le bug. Et c'est l'open source, nous on veut les bugs. Donc euh, remonter les bugs. Et puis deuxième chose, j'ai remarqué quand même, les devs, vous êtes sacrément des contrôles frics. Hein. Franchement, euh, chaque fois qu'il y a un truc, vous voulez forcer, euh, vous voulez, vous arrivez pas à chill un peu là. Vous faites votre quête, vous faites confiance, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, non, on peut pas forcer l'usage d'un index, mais on peut vérifier pourquoi il n'utilise pas l'index. Et ça, ça se fait avec les explain plans. Euh, et je pense que les stormtroopers vont devoir expliquer pourquoi ils sont habillés comme ça. Euh, alors, explain, c'est simple. C'est un mot-clé explain. Et euh, si on utilise analyze, il va réellement lancer la requête. Si on n'utilise pas analyze, il va juste générer le plan d'exécution. Et après, il y a des options, le buffer, le setting, le wall, le timing, enfin bref. Et puis après, pour les gens qui ont du mal avec le texte, on peut faire du JSON, du YAML, du XML. Bref, on peut s'amuser. Et euh, par exemple, ici... J'ai fait un exemple de requête et on voit qu'ici il me dit clairement qu'il a fait un index scan. Parce qu'il y avait un index sur euh, Unique 1. Et comme c'est la seule condition, il a fait un index scan. Voilà, ça se lit assez facilement quand même, à un, à un explain plan. Il faut juste prendre le temps et pas avoir peur. Autre chose, comme je vous ai dit, souvent, moi un des premiers trucs que je fais quand j'arrive chez un client, je regarde la taille des index par rapport à la taille des datas. Et si c'est du sous transactionnel et qu'on a deux fois plus d'index que de data, je les engueule. Euh... Il y a un truc qui s'appelle PGStatAllIndexes qui va vous donner le nombre de scans de vos index. En plus, il y a une autre table qui va vous donner euh, les stats d'utilisation d'une colonne en écriture, en lecture, etc. Ça vous permet de voir si un index est vraiment utile ou pas, ou s'il est plus mauvais qu'autre chose. Mais plutôt qu'écrire votre propre requête, vous vous doutez qu'il y a d'autres gens qui l'ont déjà fait pour vous. Euh... Ah, ce n'est pas la bonne slide, c'est pas grave. Euh... Donc, ces statistiques vous permettent de savoir s'il y a des index qui sont inutilisés ou peu utilisés, ou des index qui sont utilisés, mais en fait, il y a beaucoup plus d'écriture que de lecture sur ces colonnes, donc ce n'est pas intéressant. Et puis il y a aussi un truc que Postgres vous permet de créer tous les index que vous voulez, aucune restriction. Donc vous pouvez carrer 50 fois l'index sur la même colonne, il ne va rien vous dire du moment que c'est des noms différents pour l'index. Ça peut poser des problèmes, et donc euh, moi très souvent je trouve des index en doublons. Et bien pour ça, il y a un truc qui s'appelle, euh, euh, donc PG Experts c'est une, une société d'expertise poseresse euh, en Californie, et ils ont un super repo GitHub que je vous donne, c'est cadeau. Allez voir, il y a tout. Il y a les requêtes de Bloat, il y a les requêtes d'index, il y a les requêtes. Euh, euh, il va vous, ça va vous faire une analyse complète de votre cluster. Et ça va vraiment vous donner des points d'amélioration pour pouvoir faire ça. Et ce serait dommage de réinventer la roue. Euh, on arrive à l'antépénultième slide. Donc euh, tranquillou, tranquillou, on est dans les temps. Euh, Est-ce que vous connaissez Use the Index look donc, euh, il y a un expert sql qui s'appelle marcus winand, qui vit en autriche. et euh, il, euh, donc, il a deux sites, modern sql, sur lesquels il s'amuse à faire des comparaisons de euh, conformité aux standards sql suivant les différents SGBDR. et il a aussi un site qui s'appelle use the index lux, où pour cinq euh, ou six SGBDR différents, il va vous expliquer pourquoi la requête ne passe pas par l'index. Il y a aussi, très important, un donc je vous donne le, le lien. Euh, il y a aussi un petit test SQL en trois minutes, que vous allez tous foirer, mais c'est normal. Euh, c'est juste pour vous montrer que vous ne connaissez pas le SQL et qu'il y a plein de choses à apprendre, c'est tout. Euh, mais euh, allez, allez faire un tour sur ce site, c'est une mine d'or. C'est en fait un livre qui est totalement gratuit. Euh, et vraiment, euh, il y a énormément de choses pour expliquer. Euh, pourquoi l'index est utilisé, pourquoi il n'est pas utilisé. Les, euh, ça va beaucoup plus loin que moi, ce que je vous ai donné sur les types d'index, etc. C'est vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus. Euh, euh, ouais, tout, pour moi, toute la connaissance sur les index est résumée dans ce livre, qui est gratuit. Si vous voulez soutenir le travail de Marcus, achetez son livre, qui existe en format papier. Euh, il sera ravi. Euh, mais c'est vraiment un des meilleurs experts mondiaux du SQL. Il sait de, de quoi il parle. Et, euh, euh, et aussi, si vous voulez vraiment vous améliorer en SQL, allez, euh, il, il donne des formations. Enfin, J'ai un collègue qui est membre du comité SQL, donc membre de, des gens qui écrivent la norme. Il a appris des choses. Donc euh, voilà, je pense qu'on a tout dit. <laughs> Alors, pourquoi cette photo Parce que généralement, euh, vos index, ils sont overkill. Comme les stormtroopers qui essayent de tuer le pauvre petit lutin avec son nounours. Euh, si vous aviez trois choses à retenir de ce talk, c'est euh, bon, gérer les index, c'est pas facile. Ça, on est d'accord. Après, je suis persuadée que dans les cinq ans à venir, on aura une auto-indexation des données euh, parce qu'on a tout ce qui est prêt aujourd'hui pour le faire. On a euh, une extension qui s'appelle HypoPG qui va pouvoir créer des index hypothétiques euh, pour vous donner les plans d'exécution si l'index existait. Euh, et euh, aussi, petit truc fun que moi je fais souvent en prod chez mes clients, euh, vous savez qu'en PostgreSQL, tout est transactionnel, sauf les séquences, parce que c'est par design. Euh, Amusez-vous à faire un begin et à dropper des index pour voir comment les plans d'exécution fonctionnent. Et ensuite, vous faites un rollback, ni vu ni connu mais on peut faire des drop tables, drop index sur, dans une transaction. Euh, si on ne commit pas, euh, personne n'a vu qu'on a, qu a fait des drops. Et c'est vachement utile pour voir l'évolution de l'utilisation des index. Euh, deuxième point, personne n'est jamais mort en lisant la documentation Postgres. S'il vous plaît, lisez la documentation, je sais qu'elle est dense, euh, mais c'est vraiment une mine d'or. Elle est, on va dire, rugueuse, <laughs> parce que c'est un vieux projet. Euh, mais d'un autre côté, c'est euh, du HTML euh, basique. Vous pouvez même le, la, la construire en, en PDF si vous aimez compiler du C. Euh, non, c'est même pas du C, c'est du XML. Euh, mais si vous avez l'habitude d'utiliser les Makefiles, c'est pas un problème. Et euh, la dernière chose super importante que je voulais vous dire, c'est que là, moi, je vous ai juste donné des mots clés euh, pour aller chercher des choses que vous ne saviez pas, parce que le plus grand problème que je rencontre avec les développeurs et les développeuses, c'est qu'ils euh, ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Donc, maintenant, vous savez qu'il y a des choses qui existent. Vous allez pouvoir aller les regarder dans le détail. Je ne, enfin, ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de me refaire la, la conf en entier dans cinq minutes. Mais par contre, que savoir qu'il y a des choses qui existent et qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il y a par défaut. Et je crois que je suis pile dans les temps. <laughs> Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia. Du coup, on va pas avoir le temps pour les questions. Mais, mais je suis là. <laughs> voilà. Merci beaucoup.